Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai fait une petite sortie. Donc, je vous propose de me suivre dans ma petite balade. Je vais vous faire voir une petite tache, vous voyez, de pied de mouton qui fait comme ça. Ici, pareil. Là, on est sous des conifères. Regardez, il a un beau cachet. Et on se retrouve après le générique. Ce que je vous conseille quand vous trouvez des pieds de mouton, c'est déjà de les nettoyer en forêt. Donc là, comme il était sous peu, on va enlever un peu la terre. Et surtout les aiguillons, vous voyez, vous les enlevez directement. Comme ça, ça vous évite de le faire chez vous. Et puis en même temps, ça permet de sporuler pour que ça repousse derrière. Avec un peu de chance. C'est pas garanti à 100%, mais ça coûte rien d'essayer, vu que vous êtes en pleine forêt. Vous voyez? Et là, le pied de mouton, il est propre. Nous avons encore quelques pieds de mouton. Regardez, il y avait une petite tache de champignons non comestibles. Regardez, bien caché ici. Là, je vais défaire un petit peu, regardez-moi ça. Ils sont bien cachés ceux-là. Voir s'il n'y a pas d'autres autour. Non, il n'y a que cela. Encore une belle tache. On va essayer d'en défaire un. Voilà. Regardez-moi celui-là. Ce gros pépère. Et encore une petite tache de pied de mouton. Regardez. Ici, celui-là, il pousse. Je vais le laisser, il est trop petit. Regardez. Encore une petite pousse. Là aussi. Après, ça monte un tout petit peu, regardez. Ici, vous en avez. Là. Et après, nous en avons un gros ici. Regardez-moi ça. Encore un. On va prendre celui-là, c'est un petit peu. Vous voyez, ça fait quand même des beaux pieds de mouton. Et là où nous y étions, regardez. Là, il y a un petit peu de pousse ici. Là aussi, regardez. On va les laisser parce qu'ils sont tout petits. Après, vous avez une tache qui commence à partir de là. Regardez, ici. Là, là c'est des petits qui commencent. Là, nous avons des moyens. Et ici, bien planqué. Regardez, on va essayer de retirer un peu autour. Parce que celui-là, franchement, il est beau. Hein, vous avez vu tout ce qu'il y a autour? Je ne sais pas si je vais défaire en entier. On va voir ça. Ah, nickel, il vient. Regardez-moi ça. Ce beau pied de mouton. Ça fait plaisir aujourd'hui. Et là, regardez, c'est sympa. Nous avons un petit pied de mouton. Je vais le laisser pousser tranquillement. Et ici, nous avons, regardez, des belles chanterelles. Nous en avons aussi une là qui pousse. Et là derrière, regardez, de la belle chanterelle dans la mousse. Nous avons une nouvelle tache de pied de mouton. Regardez, au début je croyais qu'il était tout petit, mais quand on écarte un tout petit peu, regardez-moi ça.
Ils étaient bien cachés. On va essayer de bien les faire. Regardez-moi ça. Là, nous avons deux beaux pieds de mouton. Après ici, regardez, un troisième. Et là aussi, bien planqué, le quatrième. J'ai trouvé une belle petite tache de chanterelle, regardez. J'avais trouvé celle-là un petit peu éclatée. Puis regardez-moi ça. 4-5 belles ensemble. Après, juste un tout petit peu plus haut, regardez-moi ça, comme elles sont belles. Ça fait plaisir, des petites chanterelles. Regardez-moi cette tache de chanterelle, regardez. Elle commence ici, quoique même là, elle commence là, avec les petites. Voyez, bien cachée. Là, ici, encore là. Ici, encore, regardez-moi ces belles, planquées dans les feuillages. Une belle tache. Encore là. Et voilà, ainsi se termine ma petite cueillette de chanterelles. J'ai trouvé quelques lactaires, un petit peu de sanguin, un petit peu de lactaire délicieux, quelques pieds de mouton. Belle petite surprise aujourd'hui, malgré qu'il a plu un tout petit peu. Je vous souhaite un bon visionnage. Et si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Au revoir.